Alright tout le monde, je suis Justin. On se retrouve sur la suite de Legend of Zelda Airlink Between Worlds. Donc là, man, on s'est laissé à Hyrule. Donc c'est ça, man, on a changé de monde. Puis là, ben, première chose que j'aimerais aller faire, en gros, avant de commencer à explorer tout ça pis tout, moi, c'est d'aller... Si, maintenant, ok. Oh shit. Oh, oh. Bye bye. Ah! Oh, mais on a trouvé ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un autre là. Ah fuck, je vais me faire agresser. Non! Ok. Allez, ça ne tombe pas. Ah, c'est chez nous ça. On a trouvé notre chinou. D'avoir accès à quelque part, d'avoir une fissure ou je sais pas. Ah! On l'a trouvé. Oh shit! Ouch! Deux cœurs! Oh my god! Mais le dude, il m'a pogné deux cœurs, man! Oh fuck! Hein? Oh yeah! Je vais les mettre comme ça. J'arrive de où, moi? Ok. Ouh, j'ai failli crever, man. Attends, là, man, faut que je me pogne... Je pars de m'en voilà, moi. Je me pousse. Ah. Yo, man. Oh, Jeff, tu es vivant. Et la princesse Zelda. Est-ce qu'elle va bien? Ah. Je vois, maudit sois-tu. Yoga. Il y a eu un grand tremblement de terre et après... peu après ton entrée dans le château d'Hyrule. Regarde cette faille. Ce n'est pas la seule, d'autres sont apparus un peu partout en Hyrule. Jeff. Maintenant que la princesse Zelda est enlevée par nos ennemis, je crains pour l'avenir d'Hyrule. Cependant, tu as avec toi l'ancienne relique, l'épée de légende. Arme-toi de cette lame
Et de ton courage, et tu pourras changer le destin du royaume. C'est notre seul espoir. Auro compte sur toi, Jeff. On peut trouver des failles un peu partout à Auro. Ah! Il y en a même une dans un des murs de ma maison. C'est le prochain indice pour aller au temple. Ça, là. Est-ce que tu utilises le menu sélection rapide? Non. Ah, comme c'est dommage. Ah. Ok. M'en fous. Bon, m'a te prendre un boomerang parce que ça a l'air utile un boomerang. ₹800. Je vais le louer, man. Fuck you. ₹800, donc tes items coûtent cher, man. Fuck off. Ah, nice. On va aller à Kakariko Village. Parce que l'autre, il a dit qu'il y avait une fissure dans sa maison. Fait que c'est un indice pour aller au prochain temple, ça. Sa maison, lui, est... où déjà? Elle est en haut ici, je pense. Ouais, elle doit être là. Ah, y'a un cœur! Oh! Hi. Héros Jeff, la forêt de squelettes s'étend devant toi. Ah non, c'est pour l'autre temple là-bas. Cet endroit est encore plus dangereux que la forêt de ton royaume. Une brume malaisante plane sur ces lieux. Des êtres qui ne sont pas de ce monde viendront certainement s'y accueillir. Un sage au cœur pur attend ton aide dans cette forêt. Arme-toi du courage et va lui porter secours. N'oublie pas, c'est moi, Hilda de... Ouais, je sais bien. On va juste ramasser ça, merci. Là, il y a un cœur là, je pense. Oui, je peux aller le chercher. Et voilà. Yeah. Yeah, un nouveau cœur. Je voulais pas qu'il saute, là. Oh shit. Oh my god. Ouais, là, je m'en vais un petit peu trop loin. Là, je pense que je vais retourner sur mes pas et rentrer dans la forêt normale. Ah.
Ok, forêt squelette. Ah! Ok, ok, ben on a déjà accès à la forêt squelette, mais là ça me tente pas de faire la tombe tout de suite, j'ai goût d'aller explorer un peu. Ok. Fait qu'on a la forêt squelette qui est juste ici. On va essayer d'explorer un peu le rule, ok? Fait que ça c'est fait. Ok, là je vais retourner dans mon monde. Parce que c'est comme des sections par section, je peux pas voyager tant que ça. C'est un à la fois, genre. Fait qu'on va aller là. Puis est-ce qu'il y a d'autres fissures ailleurs? Ça, c'est ce qu'on va aller vérifier. Je sais pas si je peux y accéder à partir de la maison à Kakariko Village. On va essayer. Oh merde, j'arrive d'être là, je peux pas aller là. Par là, dedans. Ah, ok, je suis à Kakariko Village ici. Une fissure là. Oh ben peur le monde ici, t'es-tu. Il y a un repère de bandits dans ce village, ils ne font peur. Je n'ai pas le courage de devenir un bandit. Notre monde s'effondre. Mais ce n'est pas une raison pour devenir un bandit. Toi aussi, porte un masque. Viens prier avec nous. Tu réincarneras en monstre. Ok. Sorry, je l'ai pas t'attaqué, man. J'avais peur qu'il y ait des like-like. Attends, j'avais une fissure et toi quelque part, là, c'était ici. Non, je l'ai pas allé là. Fuck. Je savais pas où est-ce que j'arrivais, là. Oh.
chien. On dirait que j'ai de la visite. Mais dis-moi, par où tu es rentré? Si tu étais arrivé un tout petit peu plus tôt, tu aurais pu voir quelque chose d'intéressant. Mais je viens juste de finir de me changer. Comment tu trouves ma robe? Elle est jolie, non? Vous êtes toute rouge. C'est trop mignon. Oh, laisse. Comme tu me plais bien, je vais t'offrir un petit cadeau. C'est pour toi. Let's go, man. Un gros Chris de French. Let's go, mon Link. Stalker. Nice! Ah, là, on nous a ouvert ça. Il y a un repère bandit à quelque part, je sais pas où, par exemple. Ah, la fissure est plus là. Ah, fuck. On va aller voir... J'ai goût d'aller voir l'autre... Me faire dire mon futur un peu, là, m'aider un peu où me guider quel temple aller faire, man. Là, on peut aller faire le temple du squelette. Je vois 7 chemins. Quel chemin tu veux? Ouais, c'est un petit peu drôle. Les ténèbres, le marais, voir les autres. La tortue, le désert, la glace. Le repère de bandit. On va aller voir le repère. J'ai goût d'aller au repère des bandits. Je vois le village des bandits. J'entends une chanson qui fait office d'un mot de passage. Je vois aussi les villageois qui en connaissent les paroles. Ok. Et les villageois qui connaissent la parole des... Oh, let's do it, là. Fais chier, toi. Le village des bandits. Ouais, j'ai goût d'aller là, moi. Ok, les villageois connaissent leur parole. Ah, là, ce qu'ils me font chier, eux autres, là, man. C'est quoi ça? Entrée de repère des bandits. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Qui es-tu? Parle. Si tu veux entrer, complète les paroles de la chanson que je vais te chanter. Tu vois de quoi je veux parler, non? Battant la campagne, petit galopin, tu as trébuché au nord, au bord du ravin. À toujours vouloir tout savoir, tu iras croupir dans le noir. On n'est plus rien, c'est dans nos sangs. Le vol revient comme le chien dent. Le beau temps, c'est troublant. Comme le beau temps? Ah fuck, dude, ça allait bien! Ça allait bien, gros. Je suis en train de faire la toune, tu sais. J'essaie de pogner des paroles qui ont l'air à être ça, là, tu sais. Ok, battant la campagne du ravin, si on l'avait. Dans le noir. C'est ça ici. Non, c'est pas ça. C'était comme c'est troublant. Ok. Voilà. Du ravin. Dans le noir. C'est troublant. Wait, what? Du ravin, dans le noir. On n'est plus rien, c'est dans notre sang. Le vol revient. Le vol revient comme. Ben, Chris, j'ai tout fait les.
Ah, je pense que j'ai pas le choix d'aller parler à quelqu'un, il va me dire les paroles. Là, c'est parce que je le sais pas, c'est pour ça. Je pense que je suis obligé de trouver quelqu'un qui va connaître les paroles. Donnez-moi des cœurs, merde. Ah shit, tu le vends combien ça? 77. Non man, fuck you, m'a trouvé des cœurs ailleurs. Oh, y'en a bien en or! Tu l'as vu? Ah. Non. Hey, le dude, il avait l'air d'un bandit. Une jeune voleuse. Elle aurait découvert l'endroit où le chef des bandits est caché, un truc important. Comme on dit par ici, à toujours vouloir tout savoir, tu iras croupir dans le noir. Ah, lui, il nous a dit une parole. Couper dans le noir. Ça, on l'avait déjà deviné. Mais merde. Ok, allez. La première heure que tu peux gagner, il y a un fragment de cœur. 200 rupies. On le teste-tu? Non. Il y a un fragment de cœur, mais ça me tente pas de le faire d'où je vais perdre. Je sens que je vais perdre mon 200 rubis, man. Pas nécessaire pour tout de suite. Est-ce quelque chose ici en arrière? Non. Yeah! Enfin, ici. Il n'y avait pas un bar laitier à quelque part? Je pense qu'il est plus haut. Pas que ici. Salut, gamin. Il est dans notre. Il est dans un sale état, notre village, hein? Quand on essaie de se ranger, on n'y peut rien. C'est dans notre sang. Le vol revient comme le chien dent. Ben, c'est pas, j'ai déjà dit ça, puis elle m'a dit que c'était pas ça les paroles. Dude, j'ai dit ça. J'ai essayé les trois choix, man. Je comprends pas. Ouais, let's go, là. Avant. Dans le noir. Le chien dent. Mais c'est pas ça du tout, t'es qui toi? Dude, c'est ça les astuces de parole! What? Oh, c'est ça certain, va chier! Dude, man, c'est fucked up, là. What the fuck, man? Les autres paroles, ils marchent, mais les autres marchent pas, genre. C'est un bug, c'est quoi? Le vol revient comme le... chien dent. Ça me rappelle les paroles d'une chanson que ma mère nous chantait avant de s'endormir. Dude, c'est clairement ça, j'ai dit, va chier, pourquoi ça marche pas? Genre, je peux pas y aller, c'est quoi, là? Je suis passé avancé dans le jeu, je comprends pas.
Mais dis-moi les tabarnak, si je suis pas rendu là, man. Ça fait chier, je vais aller au Christ de repère des bandits, moi. On a été ici. Hey, ça me fait chier, dude, là. Et je veux rentrer au Christ de repère des bandits, là. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah, là, à taverne, je pense. Ok, je comprends. Ok, j'ai compris. Dude, ok, j'ai compris. Moi, je pensais qu'à tous les choix que je disais, que si ça continuait, c'est parce que c'était ça les paroles. Mais en gros, je viens de voir que finalement, je fais les trois choix, puis après ça, ça me dit si c'est ça ou non. Puis moi, je disais au bord du ravin, mais c'était pas du ravin, c'était du chemin. Ok, là, on l'a, là. Nice. Tabarnak. Je pensais que le premier, je l'avais, c'était pour ça. Ah, tiens, t'as une tête que je connais pas, toi. T'es nouveau, mais ça tombe à pic, ça. Tu vas me remplacer pour mon tour de garde, d'accord? Parfait, je te laisse la place. Ne me déçois surtout pas. Je relaxe un peu dehors. Ouais, je l'explorais un petit peu. Oh, c'est un temple. Oh, c'est elle qui est au cachot. La fille qui était au cachot que le monde nous a dit. Le boss, il est là. Ok, mais attends, gros, je suis pas prêt. Si, j'allais sauvegarder. Faut que j'aille sauvegarder. Asti que c'est hot. Ok, je vais aller sauvegarder, bon, on va cesser là-dessus, man. Ça fait que déjà une demi-heure. Je pensais explorer un petit peu plus autour, mais finalement, non. Je sais pas pourquoi, mais j'ai goût de faire le repère des bandits. Il y a la forêt aussi. Tiens, on va sauvegarder, hop. Alright, man. Ah, les autres, on va cesser là-dessus, man. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous autres, on se retrouve pour la suite. On va aller s'attaquer au repère des bandits. Je sais pas pourquoi, mais le repère des bandits, je suis curieux. Le temple, il a l'air vraiment le fun puis différent. J'ai goût de le faire. Fait que, yes sir, man. Ça va être notre premier temple sur les 7. 2, 4, 6, 1, sur les 7. Fait que nous autres, on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao!